Nikita Mikhalkov. Monsieur Mikhalkov, il vous aime beaucoup. Hein, Oleg. Mr. Mikhalkov, Oleg likes you a lot. C'est réciproque. It's mutual. 14 ans après, so 14 years after Birth by the Sun, 16 years after even. J'ai envie de dire pourquoi si longtemps? Why did it take so long? Потому что должно было пройти время, чтобы опять соскучиться и появился аппетит. Il dit, il fallait laisser passer du temps pour que you had to leave time to let people want it, you know, so that they could whet their appetite and they would be hungry for more. Well, the appetite's here. Yes, today is. Le festival de Cannes et vous, c'est une longue histoire. So you and the Cannes festival, it's a long story. So being back on the red carpet, is it something you were thinking about when you made the film? Как вы чувствуете себя быть опять в красном ковре сегодня вечером? Как дома? It's like being at home. À la maison. Bienvenue dans votre maison, monsieur. Well, welcome home. Des films comme ça, aussi grandioses, aussi so forts, grandiose, strong films. These sagas. Are there going to be many in Russian cinema now? Is it going to come back? Без этого не может быть индустрии. Sans cela, il n'y aurait pas d'industrie. I mean, without that, there wouldn't be any film industry. Я очень люблю арт-хаус, я очень люблю авторское кино, я сам его снимал, я очень люблю фестивальное кино. Но кроме устриц должен быть и хлеб, и масло, и мясо. Поэтому устрицы хорошо, когда есть хлеб и масло. Alors, j'aime beaucoup les films d'auteur, j'aime I like auteur films, I like intimate films, but they're a bit like oysters. And you need as well to have bread and butter to go with the oysters. Это моя цель. C'est mon but. That's exactly right. That's what I was saying. Thank you very much, Mr. Mikhalkov. Merci. Merci beaucoup. Donc les conseils culinaires donc de Nikita Mikhalkov. So Nikita Mikhalkov giving us some culinary advice. Qui a donc comparé cinéma d'auteur à des huîtres. Bad auteur films to oysters. Nikita Mikhalkov on the red carpet of the Cannes Festival, 63rd edition of the Cannes Festival. Le voilà à l'image. There he is on screen. He is accompanied by Oleg Menchikov, we talked with Oleg Menchikov, who plays with Nadia Mikhalkov. And there is Oleg Menchikov. Très jolie jeune femme que vous voyez. Mikhalkov, the very pretty young lady there. And Nikita Mikhalkov. Nikita Mikhalkov. Nikita Mikhalkov. Qui est venu déjà. Who has already been five times in competition before coming here. En 1964 pour Romance. 1964 for Romance in Moscow. Pour Siberia. In 79 for Siberia. En 83 pour Une gare pour deux. In 83 for 87 A Railway Station for Two. 87. Et en 94 pour Soleil Trompeur. Je me souviens qu'en 87, then, on a une jolie petite valse de Nikita for et de son épouse. Andrew Rory. Oh, c'est mignon. Voilà, donc la mise en place va commencer. So, they're getting in place. La musique de Saint-Saëns. La montée des marches. Going up the steps. De l'Exode, Soleil Trompeur. Exodus, Burnt by the Sun 2. En 87, donc Nikita Mikhalkov présentait Nikita Les Yeux Mikhalkov. Noirs. Il avait présenté assez tôt dans le festival et c'était l'un des grands favoris de la compétition. Back in 87 for Les Yeux Noirs. Le soleil de Satan de Mikhalkov qui gagna cette année. Là, la palme d'or. Voilà, Nikita Mikhalkov. So Nikita Mikhalkov. Nadia Mikhalkov. Nadia Mikhalkov. Présenté en 1994, Soleil Trompeur qui lui a donné le grand prix du jury. Et à mi-marche, je crois voir. And halfway up the steps, Jacob, I think sûr, I can see Gilles Jacob, with the mayor of Cannes, I think. Siberia, Les Yeux Noirs,
ou encore le barbier de Sibérie. Il était aussi revenu en compétition. Came back out of competition in 99 pour le barbier de Sibérie. For the barber of Siberia. Et la première fois qu'il est venu à Cannes, c'était. And the first time he came to Cannes. West de Régis Barnier. Il est revenu à Cannes après une absence de plusieurs années. En 1977, il était venu avec Partition inachevée pour piano mécanique. And then he came as well with et ensuite, unfinished membre du jury score de la Ciné Fondation en 2004. For piano, and then he was a member of the jury. Soleil Trompeur lui avait valu un grand prix du jury. He won a jury prize for Burnt by the Sun in 1994. Voilà donc toute l'équipe de Soleil Trompeur 2. Everybody from Burnt by the Sun 2. Oleg Menchikov donc. Oleg Menchikov. Acteur essentiel du cinéma russe. A very important actor in Russian cinema. Vous connaissez peut-être pour un film français, pour Est-Ouest, le film de Régis Barnier. Régis Barnier's film Est-Ouest. Voilà, donc je vous disais. Réalisateur et acteur. Gilles Jacob et. Gilles Jacob, and I think the mayor of Cannes there. And Thierry Frémaux joining them just behind. Well, everybody from Soleil Trompeur 2, French, Burnt by the Sun 2. One of my photograph friends said that. There were lots of orders for these steps for the Russian newspapers who are keeping an eye on what's going on here. A lot of orders from press agencies. So tonight in Moscow, there's a massive pride for Exodus here in the competition. 63rd Cannes Festival. Le petit bisou de madame à monsieur. A little kiss. Je pensais qu'ils allaient monter, mais non. I just thought they were going to go up, but not quite. Final photo. L'avant-dernier film. For the penultimate film. De la compétition cannoise. In the competition in Cannes. Gilles Jacob greeting Nick Mikhalkov. Thierry Frémaux. Not Oleg Menchikov. Monsieur le maire de Cannes. And the mayor of Cannes as well. Salut. L'équipe du film. Greeting the crew from the film. Dans les films de Nikita Mikhalkov présent à Cannes. Nikita Mikhalkov's films in Cannes. Cinq soirées qui étaient présentées en sélection parallèle en 1979. I forgot five evenings in a parallel selection from 1979. Et voilà la dernière photo. Fetchurov. So they're at the top of the steps. Une dernière photo de l'Exode, Soleil Trompeur 2. Avant que toute l'équipe ne rentre dans le sas. Before they all go into the lobby. C'est l'avant-dernier film de cette compétition. Pour autant, cette montée des marches n'est pas terminée puisque...